Salut les campeurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo bilan qu'on va tourner d'une façon un peu différente. On va tourner en deux parties. Donc si vous nous voyez changer de vêtements, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est juste qu'aujourd'hui on tourne milieu de semaine, on vous parlera de mes premières tâches et fin de semaine on vous parlera du reste. Ça nous évitera d'oublier un peu tout ce qu'on fait tout au long de la semaine. Donc comme d'habitude, vous aurez une partie de nos travaux, on va dire extérieurs, et de nos travaux intérieurs avec tout ce qui est paperasse, etc. Et c'est Erwan qui commence tout de suite avec ce qu'il a fait. La semaine dernière, je vous avais dit qu'on avait changé le sol d'un des mobilhomes dont on avait eu un dégât des eaux avec Yvan. Pour cette semaine, on a décidé de finir ce mobilhome en posant le balatum. Vu que c'est dans la pièce principale en prenant le couloir, il y a beaucoup de recoins et de rebords. C'est pour ça qu'on a décidé d'étendre le balatum à l'extérieur et de prendre toutes les côtes de la pièce pour ensuite le tracer au sol comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Après la découpe faite, on a enroulé le balatum pour le rentrer dans le mobilhome. Pour pouvoir l'étendre dans la pièce entière, on a ajusté nos découpes pour faire les recoins. Après cela, on a laissé étendre le balatum une journée pour ensuite poser nos plaintes. De mon côté, je me suis occupé du sport. On a remis en place le sport. Tout avait été vide à ranger pour l'hiver. Donc on a remis en place le jacuzzi, le sauna, le hammam, l'aquabike. Comme vous l'avez vu, Erwan avait déjà changé la bâche de l'aquabike où on avait eu une fuite l'an dernier. Et là, moi, je me suis occupé du jacuzzi. Le jacuzzi, on a eu un problème car nos pompes ne recyclaient pas assez vite l'eau. Donc on a mis un gros filtre à sale, je vous mets la photo, juste à l'arrière du jacuzzi, histoire que ça pompe beaucoup plus rapidement, que ça traite l'eau beaucoup plus rapidement. Par contre, en faisant ça, on a eu un gros souci. L'eau du jacuzzi et de l'aquabike sont toujours évacuées dans une de nos évacuations principales. Et malheureusement, lors de l'installation de nos mobilhomes, on a écrasé un de ces tuyaux sans s'en rendre compte. Donc, une fois de l'installation de notre spa fait, on s'est rendu compte qu'il y avait qu'on n'arrivait pas à évacuer l'eau. On a donc dû faire venir une mini-pelle, ouvrir le chemin pour remettre en place un nouveau système d'évacuation. Je vous mets quelques photos ici et là, mais juste avant la saison, ça faisait quelques trous encore dans le camping. On a profité aussi pour remettre en place tout l'espace spa. Je vous mets quelques photos, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle douche et donc aussi un aquabike flambant neuf. J'ai occupé mes soirées à refaire toute la signalétique du camping, dont on a reçu les panneaux cette semaine. Du coup, avec Sylvie et avec ce beau temps qu'on avait, on s'est amusé à poser tous les panneaux dans le camping. Maintenant, notre camping est vraiment aux couleurs de Camping Paradis, bleu et jaune. Et de mon côté, au niveau de la paperasse, moi je me suis mis sur le logiciel de réservation. J'ai remis à jour tout notre PMS et j'ai recontacté tous les clients qui étaient encore en option afin de mettre à jour vraiment tout le logiciel de réservation, car cette semaine, c'est la semaine où on devrait avoir la réponse sur l'ouverture des campings. Donc une fois qu'on a eu cette réponse officielle, on sait très bien qu'on va avoir pas mal de demandes. J'ai donc mis tout à jour, histoire de laisser de la place pour les nouveaux arrivants. Donc si vous avez reçu quelques mails de ma part ou autre, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est juste des relances pour pouvoir confirmer ou non votre séjour. Et voilà, on se retrouve pour la deuxième partie du vlog. Donc on est fin de semaine, donc pour vous ça sort dimanche, là on est dimanche matin. Donc on va vous faire le résumé de ce qu'on a fait dans cette fin de semaine. Donc première nouvelle, on est bien content, ouverture officielle le 2 juin. Donc dès le 2 juin, vous pouvez venir rejoindre le Camping Paradis Family des Issous en Ardèche. Donc sachant la date d'ouverture, maintenant on s'affaire à tout mettre en place. Donc c'est du nettoyage de tous les côtés, nettoyage des locatifs, nettoyage du terrain. Donc on n'a pas arrêté de faire ça toute cette fin de semaine depuis l'annonce. Et on a profité aussi pour finaliser quelques travaux assez importants qui étaient encore en cours. Et oui, avec Yvan, on a terminé le Kidsland, l'endroit où tous les enfants du camping vont pouvoir s'amuser et s'éclater. Tout d'abord, on a remplacé la moquette du Kidsland par du gazon synthétique, ce qui permettra aux enfants que ça soit plus confortable quand ils seront pieds nus. Suite à ça, on a remis les jeux gonflables en place pour pouvoir les tester. Et pour l'instant, tout fonctionne bien, donc les enfants vont pouvoir s'éclater. De mon côté, avec le reste de la famille, on a remis en place tout l'espace atypique. Donc dans l'espace atypique, on a les roulottes, les tipis, les yurts, etc. Je vous mets quelques photos, donc on a dû tout remettre en place, tout réinstaller. Parce que bien sûr, on désinstalle tout pour l'hiver, pour pas que ce soit trop endommagé. Donc on a tout remis, on a refait une bonne tente et un bon débroussaillage. Donc l'espace est de nouveau vraiment vert. Enfin cette semaine, on a eu la bonne surprise de recevoir nos nouveaux transats pour finaliser l'espace Aqualand. Parce qu'il nous restait plus que quelques trucs à installer pour enfin finaliser et terminer ce beau lieu. On a mis en place les transats, les voilages pour nos lits, ainsi que tous les coussins qu'on a reçus pour les lits chill out.
Maintenant qu'on a terminé cet espace, vous aurez une vidéo d'ici peu de tout l'espace Aqualand. Donc comme vous voyez, on n'a pas chômé. On a eu vraiment beaucoup de taf. Donc entre tous ces travaux extérieurs et toutes les réservations qu'on a eu à traiter, le soir j'ai quand même trouvé le temps de créer le Instagram du camping qui sera vraiment fortement utilisé avec les hashtags cet été. Je vous le mets juste là, comme ça vous pouvez penser à aller vous abonner et liker les premières photos. Et de mon côté, j'ai commencé le nouveau plan, car avec tous les travaux qu'on a fait cet hiver, il y a une grosse mise à jour à faire. Vous aurez tous les détails la semaine prochaine lorsque j'aurai fini ce plan-là. Donc voilà un peu notre bilan de la semaine. J'espère que le nouveau format vous a plu, donc laissez-nous un commentaire, un like et pensez à vous abonner. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye.